Bonjour à tous, c'est Claire de la chaîne Poudre Claire pour la chaîne des box et je vous retrouve avec la présentation de la prescription lab du mois de décembre. Et alors, pour le mois de décembre, elle est hyper sympa. Je pense que vous verrez bien, on a une super jolie pochette de soirée comme ça qui est vraiment hyper belle et elle est en simili cuir comme ça, mais ce que j'adore c'est qu'elle est vraiment bien bien grande, donc vous pouvez mettre pas mal de choses et ça c'est hyper sympa. Vraiment hyper quali, enfin, je pense que vous verrez par rapport à la taille de mon bras. Elle est immense, très très jolie box et comme d'habitude on retrouve le petit magazine, le prescripteur dedans. Là encore très joli magazine qui parle de l'Islande, qui parle de soins. Enfin voilà, une box qui déjà nous promet de jolies choses. On a une recette aussi pour faire une bougie maison, hyper sympa. Enfin vraiment que des jolies choses. Et pour les nouveaux abonnés, vous pouviez recevoir ce mois-ci en plus dans votre box un brin de fleurs séchées de la marque Bergamote, qui est une marque de box de fleurs, etc. qui font aussi des fleurs séchées et du coup très joli cadeau en plus. Et ensuite on a l'intérieur de cette petite pochette. On a tout d'abord un petit flyers qui parle du nouveau gel douche qui est en fait un parfum de douche de la marque Roger Gallet. Et donc c'est le parfum de douche hydratant rose mignonnerie. Donc la différence c'est que c'est censé nous parfumer plus qu'un gel douche classique. Donc c'est une nouveauté de chez eux qui est donc là une dose d'essai de 50 ml qui est pas mal quand vous partez en week-end, là si vous allez voir vos familles etc. ça peut être un gel douche très sympa. Et ça sent la rose, mais pas la rose un peu d'antan, c'est vraiment la rose fraîche, hyper agréable. Moi j'aime bien. Ensuite, on avait 4 produits. Donc 4 produits. Tout d'abord, le produit de la marque Prescription Lab, qui est un crayon stylo ombre à paupières en fait. Mon stylo regard. Je crois qu'il y avait 2 teintes possibles. Moi j'ai la Smoky Copper. Donc Copper, on s'attend à quelque chose d'un petit peu cuivré et Smoky un peu plus fumé. Donc un cuivré foncé, j'imagine. Et ouais, ça a vraiment l'air d'être ça, une espèce de marron un peu foncé. Qui a l'air très 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 jolie. Si on fait un petit swatch. Ah oui, c'est une très 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 jolie couleur. Je pense que vous verrez bien. J'essaie de les mettre un côté moins éblouissant de la lumière. Très jolie couleur. Et ça passe avec tout. Donc toujours content des produits Prescription Lab. C'est fait en Allemagne. C'est cruelty free. Et du coup, longue tenue 24 heures. C'est waterproof et forcément un peu brillant. Donc déjà très bien pour les maquillages de fête. Et ensuite, pour casser le côté un peu que fait, ils ont pensé à plein de soins, mais des soins pour tout. Donc on a d'abord un petit sérum essentiel nourrissant et réparateur visage et cou de la marque COS. Donc COS au niveau des ingrédients est à 99,8% naturel pour ce sérum, donc très bien. C'est une marque qui n'est pas donnée, donc rien que le sérum largement rembourse la box, hein, bien évidemment. On a dedans de l'argan, du jojoba et des pépins de raisin. Donc voilà, très joli petit sérum. En plus j'aime beaucoup le packaging, une petite bouteille en verre comme ça. Hyper, hyper sympa, un sérum ça sert toujours et ça convient à beaucoup de peau celui-ci. On a en plus une petite crème hydratante à mettre après son sérum de la marque Cadalys. Alors Cadalys, si je ne me trompe pas, c'est une marque bio, enfin avec voilà, 100% d'ingrédients d'origine naturelle, qui est vegan et qui est essentiellement fait à base de bananes. Donc c'est beaucoup de produits qui sont faits à base de bananes. Là c'est pour tout type de peau, c'est juste une crème qui va être réconfortante, qui va nourrir et adoucir un petit peu la peau. Donc le type de crème qui convient là aussi à tout le monde, donc ouais, très très bien. Et puis apparemment c'est une édition limitée. Pourquoi je ne sais pas, peut-être au niveau de la quantité, maintenant on a 50 ml, donc bon. Je pense que là tous les deux c'était des deux full size, donc très bien. Et le troisième qui est à mon avis une dose d'essai parce que c'est un masque pour le visage, un masque détox intense, 30 ml. Vous pouviez recevoir 3 types de masques, je crois qu'il y avait détox, nourrissant peut-être, je sais plus l'autre. Mais voilà, max détox ça va vraiment au maximum de monde. Avec 0% de silicone et de parabènes, donc très très bien. Pour tout type de peau, c'est fait en France, made in France. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. Là, en tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao!